On est content que vous soyez là et on va sûrement transporter la banderole, la grande banderole, jusqu'en haut pour pouvoir dire bienvenue aux migrants et puis continuer le combat de la bataille contre les idées reçues, contre les idées nauséabondes, contre les idées racistes, contre les idées fausses, contre les mensonges. Contre les mensonges d'État, contre les mensonges de beaucoup de monde. Donc voilà, redire que les migrants c'est une richesse, redire que l'échange culturel c'est une richesse, redire qu'on est content d'être mélangés, que les populations qui ont voulu être pures, elles ont toujours été dans le déclin. Voilà, que le bonheur c'est des choses positives, c'est pas de la haine, c'est plutôt de l'amitié, du partage, de la solidarité. Et c'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui. Macan a dit quelque chose de très beau. Il est timide. Il m'a dit de vous communiquer ces belles paroles. Alors, pour lui, hier, il s'est senti porté. Il s'est senti moins seul. Et pour lui, depuis qu'il a traversé d'autres pays, c'était vraiment quelque chose de très fort. Je me sens plus seul et ça va m'aider à continuer. Voilà. Eh bien, bravo à lui. Bravo. Bravo à tous. Voilà. C'est une belle histoire. C'est toi qui portes le drapeau. Vous êtes prêts? Oui. Eh bien, on lance, c'est parti. Ben, on vient de Sochaux, du pays de Montbéliard, dans le Doubs. On est arrivé ici parce qu'on est signataire de la pétition pour Madama. Alors, autour de l'expulsion d'un jeune Guinéen à Bakar, on a créé un comité qui s'appelle Comité à Bakar, qui avait pour objectif au départ d'empêcher son expulsion, ce qu'on n'est pas arrivé à faire, mais qui continue de fonctionner, puisqu'on ne l'a pas laissé tomber après son expulsion en Guinée, et on continue d'être en contact avec lui, de chercher des solutions, à la fois pour lui trouver des hébergements, du boulot, etc. en Afrique, et aussi voir comment on peut lever l'interdiction de retour sur le territoire pour lui permettre de revenir, puisqu'il a passé ici son CAP de cuisinier, il a appris le français, et son avenir... Il est plus ici que dans un pays qu'il ne connaît pas. On est arrivé vendredi soir, donc on a participé à la journée de samedi. Et on trouvait que les témoignages des jeunes afghans, soudanais, etc. étaient très émouvants. Et que le partage d'expériences, etc. était particulièrement intéressant. Et le fait, les perspectives de dire ben, on va organiser une journée nationale le 20 novembre où tous ensemble on va sortir de nos cas particuliers pour essayer de poser le problème en grand des mineurs non accompagnés et des jeunes majeurs, c'est un beau truc. Quoi. Ça va? Merci. C'est bon. Alors, c'est bon. Prenez votre temps. Ça tombe bien, mais je m'arrête. Voyez pas les beaux projets, c'est tout ça. Hein, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Mental, c'est bon, merci. Une petite goutte d'eau, Franck. Enfin, ça dépend ce que vous avez à boire. Ah bon, excuse-moi. Le vin vous bouscule pas trop, ça va, messieurs? Ça va. Quoi?
Là où on a baladé quoi. Solidarité avec les sans-papiers. Plus fort. Solidarité avec les sans-papiers. Solidarité avec les sans-papiers.